Re à tous. Re à tous. Ah, j'avais hâte. J'avais hâte. Je n'ai rêvé que de ça. Voilà. Je le dis maintenant. Je le dis haut et fort. Je n'ai rêvé que de Outer Wilds. Je voulais y jouer. J'avais trop envie d'y jouer l'équipe. Comment ça va tout le monde? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Installez-vous dans le chat. La suite du banger absolu, let's go. Ouais, 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 ouais. La suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment vous allez tout le monde? Les amis, aujourd'hui on va continuer à Outer Wilds, bien sûr. On va essayer de percer le mystère de ces effigies, de ces structures nomai, de cette civilisation antique. Et de pourquoi on est bloqué dans une boucle temporelle et peut-être résoudre le problème. Également, on va faire ça jusqu'à 17h30, 18h. On va pas jouer très longtemps. Pourquoi? Parce qu'à 17h30, 18h, je vous propose un content, encore une fois. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, là. Il m'a appelé sur mon téléphone. Il fait « Ouais, ça fait quoi aujourd'hui ?» et tout. Je lui dis « Bah écoute, moi, c'est Outer Wilds, hein, ça se régale et tout. » Il me fait « Ah ouais, parce que moi, j'avais un petit truc à te proposer. Si tu veux, on peut jouer ensemble et tout. Il y a le mode 2v2 League of Legends qui sort et j'étais chaud, si tu veux, on le joue à deux. » Et cette personne, c'est Zerator, les amis. Et du coup, à 17h30, on va faire de la duo sur le nouveau mode 2v2 League of Legends avec Zerator. Donc on va complètement skip The Day Before et ça part en duo avec Zerator. On va se régaler, les gars. Ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. Pour l'instant, Outer Wilds... Ça, c'est du content. Ça, c'est du big content, les gars. On va se régaler. C'est trop lourd. Faut que je poste le best-of. Vous le regarderez après le live, bien sûr. Mais faut que je le poste, là. Je le poste maintenant. Je voulais le poster à 15h. Je le poste maintenant. Hop. Le best-of est incroyable. Hein. Faut le thème après, hein, bien sûr. Parce qu'après, il dure une vingtaine de minutes. Vous pouvez y aller. Au début, je vais reprendre mes marques. Mais si vous avez peur de rien comprendre, vaut mieux le regarder après, en vrai. Elle part en public. Elle part en public, je pense. Elle part en public. Monétisation activée et tout. Ouais, ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Hein. Public. Hein. Public, publié. Hop là, public. Spéo. 15 minutes 20, le best-of. 15 minutes 20. Putain, la dernière vidéo, 46 000 vues tout de même. Hein. Trop triste que les vidéos de skate, ça marche pas. Ça me rend triste. Bon, ça marche pas. Je fais 11 500 vues dessus. Non, c'est pas de la merde non plus, mais ça rend triste, quoi. J'aurais aimé qu'il y ait genre, je sais pas, 100 000. Ça aurait été mon rêve. Ça aurait été mon rêve qu'il y ait 100 000 vues sur cette vidéo. Malheureusement, c'est pas le cas. Kenny sur le meilleur jeu jamais créé. Les gars, je lance le jeu. Parce que là, j'ai pas le jeu lancé, bien sûr, ce n'est qu'une playlist Spotify. Perso, je me suis régalé big vidéo. Bah, moi aussi, je me suis régalé à le faire. C'est un peu ma passion à côté. Donc, moi, j'ai kiffé, bien sûr. Mais j'ai pas réussi à intéresser les gens. J'y arriverai la prochaine fois. La prochaine fois, j'y arriverai à faire des vues sur la vidéo. Parce que je serai assez intéressant. Tout sera super. Les gens seront en mode « Ah, c'est super, on va tous regarder. » Et ils seront des millions. C'est sûr. Je lance Outer Wilds. Tu fais Outer Wilds sans t'être jamais fait spoil. Alors, petit ETA... ouais, ok. Petit ETA, les gars, sur qu'est-ce que je connais de Outer Wilds quand j'ai lancé le jeu. C'est le deuxième épisode hier, j'ai joué 3 heures et quelques. Voilà. Le seul truc que je sais, c'est que j'ai gardé les 4-5 premières minutes de la vidéo de The Great Review. Et c'est tout ce que je connaissais du jeu. Et puis le fait que tout le monde me disait d'y jouer. Et j'ai joué 10 minutes pendant un live 24h où le sabaton, je sais plus. Et en fait, il était tellement tard, j'étais les gars, je vais pas profiter, je suis trop fatigué et tout, c'est trop la merde. Et du coup, j'ai pas joué. Je me suis arrêté, je sais plus quand, c'était dans le tuto. Je suis même pas rentré dans la fusée, voilà, quand j'y avais joué. Et du coup, c'est tout ce que je connaissais du jeu. Je connaissais rien d'autre. Donc j'espère que vous kiffez le let's play. Moi je kiffe, je passe un excellent moment et j'adore découvrir ce jeu. On va partir tout de suite sur le jeu parce que je n'ai pas envie de perdre une seule minute. J'ai envie de poursuivre l'aventure. C'est maintenant. Je coupe la musique parce que maintenant on va vraiment écouter la musique. On va se régaler. Alors, bien sûr, je le rappelle, les gens qui sont sur le chat, vous pouvez spoil, vous pouvez backseat, vous pouvez vous régaler, d'accord? Moquez-vous, riez, donnez tout ce que vous avez parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne regarde pas le chat. Il est coupé. Donc vous pouvez tout donner. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, ah putain, quand il va prendre ça, oh là là, là va pas sur cette planète. On s'en fout, je lis pas. Je lis pas. Donc vous pouvez y aller à fond. Vous pouvez donner tout ce que vous avez. Ça marche? Allez, bisous. À tout à l'heure, les gars, je pars. Je pars à l'aventure. Faut pas spoil les gens qui connaissent pas le jeu. C'est pas mon problème. D'accord? Ceux qui veulent pas se faire spoil, vous lisez pas le chat non plus, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas mon dos, vous faites ce que vous voulez. Bisous. Allez, à tout à l'heure. Reprendre l'expédition. Je suis plus sur le chat, c'est bon. Vous pouvez parler. D'ailleurs, je vais ouvrir Discord par contre. Les modos, j'insiste, si vous avez envie de me dire un truc que le chat me dit, ouais, la cam, le son, je sais pas quoi, n'importe quoi. Ou alors, comment ça va, Kenny? Tu vas bien ou quoi? La famille, ça va bien ou pas? Voilà. Vous n'hésitez pas sur Discord. Vous envoyez ça sur Discord. Attendez, j'ouvre Discord et je me le mets de côté. Comme ça, au moins, je ne rate aucune information. Et on est heureux, d'accord? Bon. Super. Voilà, je me mets dans la modération. Je mets un point d'exclamation ici. Voilà. Superbe. C'est parti. J'ai tout oublié. Où est-ce qu'on en était? Alors attendez, faut que je rentre là-dedans. On peut regarder sur le journal de bord pour s'y retrouver. Tour des épreuves quantiques. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. C'est génial. Donc du coup, il n'y a pas de suite à ça. J'ai fini. Pardon. Lune quantique. Alors ça, qu'est-ce qu'on sait de la lune quantique? Les Nomai sur gravité constatèrent l'existence... Oh, gravité! On doit aller sur gravité, je m'en souviens. Oh, faut que j'y aille vite, tant que je m'en souviens... Merde, qu'est-ce que je branle? Comment je quitte? Comme ça. Ok, faut que j'aille sur gravité vite, je me souviens d'un endroit où je devais aller, que j'avais vu. Faut que j'y aille maintenant, sinon je vais oublier dans 2 secondes, là. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. Oh là là, les gens qui suivent les VOD sont en mode... Putain, ils s'en rappellent, c'est du jamais vu, c'est gravité. Tout droit, on y va. On y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On va droit sur la planète. Vite, 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 vite. Et on ralentit. Et on ralentit, bien sûr. L'idée, c'est pas de s'écraser, hein. Voilà, on se met à 200 mètres seconde. Voilà, 185, on se régale. On ralentit encore, on se met à 100 mètres seconde. Comme ça, on a une dizaine de secondes. 40 mètres seconde. Et là, maintenant, faut trouver la bouboule. Je viens de me rappeler instant... Ouais, j'ai eu un flash, les gars. J'ai eu un flash de ce que je devais faire. Donc là, je dois trouver une bouboule. C'est là-bas que je vais trouver les réponses pour Léviath. Vous avez la ref ou pas? Attendez, je vais me tourner parce que... Ah, c'est... Quoi, ça? C'est quoi, ça? J'ai jamais été là, moi. C'est quoi, cette merde? Venez, on se pose, genre. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me poser en plein milieu ou pas? Genre imagine, je vais là, comme ça, là. Ah! Légendaire, frère! Je suis une légende à ce jeu! Quoi ce bordel? C'est abusé d'être aussi fort. C'est abusé d'être insane comme ça. Je suis posé en légende, là. Wouah! J'ai failli tomber. Ah oui, il faut allumer les propulseurs. Ouais, non, j'ai envie de... Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme info ici? Ah! Bon. Pardon, j'ai crié, mais je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Croiser des chemins, 350 mètres à l'ouest. Il y a un truc en bas. Il y a une bouboule en bas. Ouais, c'est bon, je m'y attendais cette fois. Là, ça m'a surpris la première fois, mais pas la seconde. Pas déconner. J'aurais pu aller tout en haut. Est-ce que je m'en fous? Je pense que je m'en fous d'aller en haut. Hein. Là, ça m'amène où? Ça m'amène où, ça? Observatoire sud. Et ouais, et donc c'est par là qu'on rentre à l'observatoire. Je suppose, hein. Je suppose. Bon. On va d'abord aller en bas. Bon, y a un truc en haut à aller checker. Je vais aller checker en haut tout de suite parce que là, j'ai trois chemins qui s'ouvrent à moi. Soit je vais là-bas, soit je vais là, soit je vais là. Je vais commencer par aller en haut parce que je pense qu'à la surface, il y aura moins de choses à découvrir que dans le reste. Donc c'est parti, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réserve d'oxygène rechargée. Oh bah... Oh bah fuck, man. Fuck, 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 man. Fuck. Ah, c'est quoi que je vais découvrir? Gravité. Qu'est-ce que je vais découvrir sur gravité? Ça, c'est un endroit, donc. Mais je me rappelle de ça, j'y ai été. C'est sous la surface. Sous... Ah, mais on peut faire ça? Ok. Et en bas, ça dit quoi, gravité? Ça dit... Non, ça dit pas Koubet. Je suis à la navette, me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique. Comme c'est exaltant, tu es presque prête. Mais il te reste... La lune quantique? On y revient. Comme c'est exaltant, tu es presque prête, mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour du savoir quantique. La tour se trouve sur la face opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Ah ouais? Ah bah tiens, là on a une info là. Mes remerciements pour ces instructions, Bells. Nous verrons bientôt. Donc là, ce que j'ai vu, c'est probablement la tour du savoir quantique, sauf que j'ai pas accédé à l'information que j'étais censé récupérer en allant là-bas. Bon, je vais en profiter pour faire des sauts ici. FF? Ok. Est-ce que vous pensez que je meurs? Aïe. Mais imagine, je veux descendre. Comment je fais? Genre comme ça. Voilà. Et là... Mais en fait, je peux y aller parce qu'en fait, je peux remonter. Donc, easy. Je peux y aller, easy. Ici. Activer le canon gravitationnel. Rappeler la navette. Oh non. J'ai cassé le vaisseau. Attends, reviens. J'ai cassé mon vaisseau. Bon, nick. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bah zut. J'ai tout pété. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Bon bah alors ça c'était mon vaisseau ça. Mais il est mort du coup. FF. Oui bon d'accord. Croisée des chemins. 350 mètres. Ah bah ça c'est un bout de mon vaisseau d'ailleurs. Et ouais. Et ouais mais il en reste pas grand chose là de mon vaisseau. Ah oui donc les bouts sont bien des éléments... Attendez je vais aller voir là. Bah tu sais quoi je vais aller à la navette hein, on va voir ce que c'est. Hein. Tant qu'on y est... Putain j'ai pété mon vaisseau. J'y pep. J'y suis. Après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. 4. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que... Pardon. Je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'univers existe tel qu'il est, tout comme nous. Solanum dit « Je suis prête ». Attends. On va dans le ciel. Hein? Et si je fais ça, je reviens. Ça, je pars. Mais je navigue en fait là. Je comprends rien. Ah, c'est les sablières. Mais alors, qu'est-ce que je fais de cette info là? Mais c'est moi ou on va droit vers le soleil là? On orbite autour ou on fonce dessus? Ah ok. Perso, j'ai rien compris. J'ai pas compris exactement comment ça marche. Bon, j'ai vu qu'on pouvait décoller avec, mais alors je sais pas utiliser leur engin. En même temps, est-ce que je suis un Nomai? Non. T'es un Nomai toi? Non. Personne n'est Nomai. Ils n'existent pas d'ailleurs. Croyance... petite croyance que ces trucs existent, bref. Allez, on y va. Vite. On retourne à gravité au plus vite. Pourquoi ça va aussi vite? Ah, c'est là-bas. J'avais pas vu la vitesse. Oh, le cringe. Ok, donc là, je revois... Donc ouais, c'est les édifices, en fait. Il y a plusieurs édifices sur le truc. D'accord. Et il y en a un que je n'ai toujours pas vu. Qui est pourtant bel et bien sur cette planète. Et c'est celui que je cherchais l'autre fois. « 100%. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? » Doucement, 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 frère. Qu'est-ce que c'est que ça, mon ref? Mais... Oh merde. On est où là? Ah. Ah. On est où là? Les arbres bougent, les arbres. Ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la planète. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plume a raison. Les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire les notes. Ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche qui adopte ce même déplacement, mode de déplacement insolite. Oh! Mais c'est un truc quantique ça! Ah bah je l'ai plus, du coup il va bouger. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ok. Ah j'avais pas vu... Attends, faudrait que je garde un bout de la truc dans mon champ de vision. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tatch, elle a une couleur et une texture que je n'ai observée nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentours se déplacent? Les autres objets alentours. Plume, Flix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Notez, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune de ces bois sont liées et ces bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat, Tatrobois et les Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-là. Attends. Léviat, Atrebois et les Sablières. Ah oui, tous les... Regardez les arbres. Ils font que de se déplacer, les arbres. Ils sont jamais au même endroit. Trop marrant. Excellent. C'est excellent. Ok, bon bah vas-y, on va faire la tour du savoir quantique. Mais je crois avoir compris le délire. C'est juste, je sais pas comment et quand trouver... La lune quantique, mais j'ai compris l'idée quoi, il faut la garder en champ de vision et voilà, tant que tu la vois c'est bon. Mais dès que tu la vois plus c'est loose, donc il faut faire une manœuvre avec un guetteur quoi. Ça c'est la tour du savoir quantique. Entrée de la tour du savoir quantique. Observatoire sud. Ok bah vas-y hein, on y va hein. Ah merde, j'ai raté des étages. Au-dessus de vous s'élève... Non, non, je suis revenu en bas. L'imbécile. Non, j'ai déjà vu ça. Ça m'amène où ça? Croiser des chemins. C'est ça? C'est là-bas que je dois aller? Il me semble que c'est là-bas que je dois aller. Ça m'a l'air d'être ça, hein. Cité suspendue. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça, c'est là où je devais aller. Faut aller de l'autre côté, dans l'autre sens. Je suis pas dans le bon sens. Et ouais, et comment je fais pour changer de sens? Il faut que je trouve un cristal. Un cristal. C'est où il y a des cristals? Vas-y toi, c'est bon toi. Ah, attends. Oh oh. Ok. Attends. Oui, donc ça c'est secteur solaire, secteur de l'eau de fonte, secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de forge de la trou noire. Forge. La forge du trou noir. Donc ça c'est le secteur de l'eau de fonte. Secteur de l'eau de fonte. Oh putain, il y en a des choses à voir ici. Et là... Wow. Commande de la forge du trou noir. Abuse. Abuse. Donc on peut bouger cet objet, ok. Cette grande forge là, on peut la faire descendre théoriquement, si c'est nous qui sommes à l'envers ou c'est le monde, je ne sais pas, qu'est-ce qui est à l'envers. Projet sablier noir nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé, comment allons-nous l'obtenir? Oh là 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 là. Oh les gars, je suis dans un contre-la-montre pour trouver des réponses là. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cette solution nécessiterait que nous retournions à Sombrons. Plume, mon père m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor, Coleus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de colocante sur la sablière rouge. Nous jouions dans la grotte du colocante quand nous étions enfants. En théorie, les informations que Méloré et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper du colocante. Au colocante, mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Le générateur de distorsion vaisseau est cassé, donc dans le meilleur des cas. Souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé ont dit qu'il avait subi des blessures mortelles. Rien ne nous dit que le risque envahit la chandelle. Nous pourrions peut-être tout de même aller le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. S'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. C'est ça la forge. C'est genre un générateur. Attends, mais il y a des infos là. Sur la sablière rouge, il y a une grotte de colocante. Je peux y aller pour essayer de trouver des... de gérer les colocantes de son bronze. Solution 2, nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance, dit Pok. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. En somme, nous certains. Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Pok a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine, et la Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets, dit Pok, donc. D'accord. Donc ça, c'est toute l'histoire du vaisseau écrasé, mais en fait, le vaisseau en lui-même, nous, on l'entend comme le mot vaisseau, comme une boîte de conserve, au final, métallique. Sauf que eux, ils estiment que leur vaisseau a une conscience, que c'est quelqu'un, genre j'ai vraiment qu'ils le considèrent comme quelqu'un presque. Recréer le générateur de distorsion d'Anona sans... recréer le générateur de distorsion d'Anona sans lui, voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprentie et que ce n'est plus lui qui est en charge de la Forge du Trou Noir mais moi. Hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme est un peu trop exacerbé, ma confiance en mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système stellaire. stellaire carrément. Et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes trois yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être m'en suis-je prise à une portion trop massive. Peu importe, je dois faire de mon mieux. Et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Root pour m'aider à la forge. Et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. Effectivement, tu n'es pas seul. Ok. Je peux le faire. Je peux le faire. Ça va pas ou quoi? Bande de malades. Ok. Ok. Ah ouais. Donc là en gros je suis au glacier. Ouais. Attends, je veux vérifier. Est-ce que je suis effectivement là où on respawn? Ouais, c'est là, j'y suis, ok, je reconnais. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très très bien. Excellentissime. Ok. Où suis-je? Ok, donc je suis revenu tout en bas. C'est bien, ça shortcut pour aller plus vite. Ok, soit. Bon, on a vu tout ça. On va aller maintenant là-bas. Sachant que la forge est revenue en haut. Ah non. Ah, elle était dans le... Elle était là-bas. Dans le... Ok. Bah du coup, go. Hein. Oh, 1, 2, 3. Oh, ok. Mais alors du coup, 1, 2, 3, into. Into, on peut pas y aller. Eh ouais, c'est éteint. C'est éteint. C'est tellement éteint. Alors. Véritable banger. Je pense que je n'aurais pas dû skip. Voilà. Mon petit doigt me dit que le skip que j'ai fait est pas dingue. Ouah, mais attends. Ouah, mais tout est à l'envers. Je fais péter mon crâne. Je suis en train de péter mon crâne. Comment on fait? Comment on fait? Non. Aïe, je savais ce que je faisais, les gars. Ça va pas ou quoi? C'est malade, la team. Mais alors, il y a un problème. C'est que j'ai remarqué un truc. Ouais, donc en fait là, en fait ce que ça veut dire, c'est que là actuellement je suis au secteur de l'eau de fonte. Et là je vais au secteur solaire. C'est parti. Go le secteur solaire. Moi je croyais que ça voulait dire module de pistage. Mais en fait c'est 1, 2, 3. Et j'étais au secteur de l'hôtel de l'œil. C'est là-bas que j'étais. Après j'y étais mais je n'ai rien vu. Ah mais si, on a vu l'hôtel de l'œil, littéralement, c'est ça avec le gros symbole et tout, ok. Je capte, je capte, je capte. Je capte bien ce qui se passe. On va accélérer un peu. Ok. Juste dans les lignes droites on accélère, hein, bien sûr, c'est pas... Je veux pas speedrun le jeu. Oh oh. Oh le petit cringe. Attends, on peut peut-être faire ça par contre. D'accord. J'ai bien remarqué. Ok, donc mon seul moyen de continuer, c'est vraiment... Parce que là, je veux juste vérifier s'il y a un truc. Matière fantôme détectée à proximité. Ouais, bah merci. J'ai remarqué, j'ai remarqué. Et là, ça m'amène où? Nulle part. D'accord. Bon, bah alors ouais, la seule solution que j'ai en l'état... Attends, si, ça m'amène quelque part où je n'étais pas avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Réserve d'oxygène rechargée. Mais on se régale ici, c'est quoi? C'est Noël. C'est un régal. Je me régale. On se régale. Où sommes-nous? Oh! Petit parchemin. Petit parchemin. Pouette. C'est quoi ça? L'ami, principe des festivals. Tous les clans Nomai de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les Nomai. Par exemple, le générateur à distorsion d'Anona nous a permis de tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Tatch. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Flix dit qu'à une époque, nous y participions aussi. Un festival peut s'étendre sur une très longue période. A noter que tous les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Par condition dans les magasins participants. Énorme. Et ça dit quoi? La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, les particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait qualifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir, jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent avec les formes de vie qu'elles ont vu naître. Cette perspective m'effraie, même si Conoy affirme que cela n'arriverait pas de notre vivant, quand bien même cela arrive à d'autres un jour ou l'autre. Il y en a un autre là. Attends, faut que je lise. Le jeu, 2 secondes. C'est le même. C'est les festivals. Le jeu, attends, me tue pas. J'ai pas fini. J'y vais. Ah. J'ai fini. Tu peux tuer. Oh bah tiens. On va regarder ce pop, c'est génial. On va regarder la supernova. Depuis là où on est, quand il y a la musique, c'est que la supernova, alors je sais pas combien de temps ça met à arriver. C'est beau putain. C'est magnifique hein. Trop stylé, trop stylé, vraiment trop stylé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire les gars, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Allez, réveil. Réveil Gravité. Mais Gravité m'apprend trop de choses. Hein. Gravité, c'est une planète infinie en termes de content. Hein. Sauf que, en vrai, là j'ai envie de tester un truc. Ah, est-ce que je retourne sur Gravité? Allez, je retourne une dernière fois sur Gravité et après je veux tester un autre truc. Je me lance vers Gravité qui est... Où? Elle est où? Gravité, t'es où? T'es où? Montre-toi. La Mune. Parfait. Petit rythme de croisière. Et on va, du coup, le canon gravitationnel. Navette de machin. Roc quantique. Signal quantique. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Cité suspendue, fossile de colocante. Ah, on peut aller sur la sablière rouge chercher la grotte avec le fossile de colocante, ça on peut faire. Mais j'ai pas fini ce que je voulais faire sur Gravité. C'est vrai que j'ai appris tout ça là. Hein. Bon, appris, faut le dire vite quand même. J'ai pas appris grand chose. Hein. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein. Je veux dire, il y a quand même très peu de QI personnellement. Enfin, je veux dire, il est réparti dans toutes les parties de mon cerveau donc. Pour tout vous dire, ça commence par une virgule mon QI, donc c'est dire. Le problème, c'est que je suis sûr que le truc que j'ai vu, c'était sur Gravité. Mais attends, est-ce que ça rend mon vaisseau quantique si je le pose? Imagine, genre... Parce que du coup, il rend les trucs quantiques, mais... Est-ce qu'il rend mon vaisseau quantique? Non. Non, 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 il rend pas mon vaisseau quantique. Je voulais voir si ça avait un effet sur les objets que tu poses et je me suis dit peut-être j'aurais pu utiliser ça en fait. Alors je sais pas exactement l'application que j'en aurais fait mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui oui c'est le truc qui a tapé. Il a tapé hein. Il a tapé je pense. Donc ça c'est la capsule de sauvetage donc initialement ils viennent de là. Puis bon, le faisceau lumineux t'invite quand même à atterrir ici plutôt qu'ailleurs. Ok, donc c'est là que j'avais atterri, je me rappelle. Bah attends, mais je vais me poser par là en vrai. Ce sera probablement plus simple pour naviguer après. Oh, il va me gêner ce truc, attends. Non, je peux pas. Je suis gêné par ce truc là, attends, peut-être je peux me poser là. Attendez, faut que je tourne. Peut-être si je me cale là. Ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ok, pas mal. J'ouvre. Nice. Superbe. Superbe. Est-ce que genre je fais ça? Et là je vais voir par là. Parce qu'en fait j'ai pas lu avant. J'ai pas lu en fait, c'est ça le problème. La navette est actuellement stationnée sur la lune quantique. FF? Mais FF? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il s'est foutu de ma gueule là. Je suis mort. Mais enfin, mon frérot. D'accord. Bah écoute, on peut tirer. Énorme. Allez, redescends maintenant. On fait pas chier. J'ai de l'argent. Ok, je voulais aller là, moi. Je me rappelle que j'avais arrêté mon tour. Je voulais aller quelque part et j'y ai jamais été. Mais je sais pas où je vais, hein. Je vais suivre le chemin balisé, hein. Ah! Ah bon, quoi? Où est-ce que ça me mène, ça? Qu'est-ce que... Je remonte, hein. Ah merde. J'ai envie d'aller à l'observatoire. Je vais aller à l'observatoire, je pense. L'observatoire, il est où? J'ai jamais lu ça. Ah bon, c'était vraiment déplaisant, mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. J'aurais plutôt me concentrer sur cette partie au lieu de réfléchir comment je vais faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue se trouve au nord d'ici. À l'est, il y a un canot gravitationnel. Je veux absolument voir ça. Autre chose, je détecte de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose étant que j'ai donné... Une bonne chose étant... données que j'ai, pardon, épuisé presque toutes mes réserves et hurlé pendant ma descente depuis la surface. Dès que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour remplir mes réserves. La caméra cache des infos en bas à droite, ce serait mieux? Vous pensez? Vous êtes sûr, je veux dire? Parce que vous pensez, oui, vous pensez, vous êtes des êtres humains. Sinon, je retourne à la cité suspendue en détente, hein. Là j'y retourne là, imagine j'y retourne là. Et imagine... Putain, j'aimerais bien y aller, hein. Mais faut trouver comment se retourner là-haut là. Je me pose cette question, c'est vraiment... Je me pose la question. Après... C'est cassé ici, mais là-bas c'est cassé de l'autre côté ou pas? Moi je suis cassé perso. Et vous? Ouais, c'est cassé des deux côtés. Après, en vrai... Attends. FF. Ok, bon voilà, j'y vais pas dans le bon sens. J'y vais pas dans le bon sens du tout. Oui, on va par là. Ai-je vérifié seulement ce qu'il y avait là? Ouais, oui, c'est le truc de l'hôtel, ça. Mais en vrai, enfin là, rien m'empêche d'aller là-bas, en vrai. Hein. Je peux y arriver. Hein. Et alors, easy. Hein. Il n'y a rien qui m'a empêché. Hein. Combien de trucs m'ont empêché là d'aller ici? Zéro, je pense. Hein. En vrai, zéro. Hein. Je vois un truc là-bas. Ah, je suis allé un peu vite. Ok. Et c'était là-haut, je crois. Ouais, c'est ici. Je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étant rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne, le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter. Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne prouve qu'il en soit capable. Des gens pleins de bon sens. Des gens pleins de bon sens. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, ou peut-être son absence d'âge. Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu, à moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduits jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Entrez. Entrée. Toc toc. Toc toc. Entrée. Il a dit entrée. Oui? Y'a quelqu'un? Allô? Hein? Tu penses qu'il faut que je le change, Odrumt? En vrai, c'est important ou pas? La cam... parce que j'ai vu ton message sur Discord. Entrée. Il a dit entrée, hein. Je suis pas fou. Fou, il a dit entrer. Mais d'ici là, je suis tellement monté. Est-ce que... Non. Non mais imaginons je redescends là. Bon, imaginons genre je vais là. Voilà, ensuite on va ici, et on fait commande de la forge du trou noir. Là la forge elle va arriver, vous voyez elle sort. D'ailleurs je me demande, est-ce qu'elle se fait absorber? Ah non, elle est juste là. Accéder à la zone grâce à ça en fait. Je peux clairement y accéder grâce à ça. Bon c'est peut-être ma mort là-dessus mais vas-y hein. peut-être un monde où ça passe. Hein. Je vais le retenter. Je le retente une deuxième fois. Regardez bien, regardez bien. J'ai bientôt plus de fuel. Hein. En fait, je vais profiter du fait qu'il y ait de l'inertie pour gagner une petite demi-seconde. Ok. Dommage. Putain de merde. Y a pas à faire des portes compliquées comme ça à utiliser en vrai. Hein. C'est vraiment compliqué pour pas grand chose. Hein. Je vais drainer tout mon oxygène. Bon, prochaine destination, parce que là j'avance pas trop sur gravité. Prochaine destination, les sablières. Et il faudrait... Alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Non, si, il faudrait que... 3 minutes d'oxygène restante. Non, je pense qu'il reste 10 secondes. Hein. On va terminer ma vie rapidement. Il faudrait que je retrouve ce truc qui m'a donné l'info de où est-ce que je devais aller. Voilà. C'est bon. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah oh, putain, où est-ce que je l'avais vu? Là, le problème c'est que je suis perdu dans mes souvenirs. En vrai c'est pas grave. Pour avancer dans le jeu, il me suffit de remplir les points d'interrogation dans le journal de bord. En vrai heureusement qu'il y a ça, parce que sinon il y aurait trop à retenir je pense. Il y aurait trop à retenir. Donc à mon avis, il faut que j'aille dans mon journal de bord. Donc on va d'abord sur les sablières, on va chercher la grotte du colocante. Voilà, c'est le premier truc qu'on va faire. Comme ça on se trompe pas. Et une fois qu'on est posé là-bas, qu'on a réussi à trouver des réponses par rapport à ça, parce que du coup ça nous permettrait peut-être d'accéder à son bronze sans galérer, eh bien... Eh bien on verra. Le soleil... Il est là-bas? Ah allez go. C'est les sablières ça? Sablières rouges? Non, ça voilà. Nickel. Oh mais il arrive droit sur moi en plus. Je vais me le prendre de plein fouet là. Non c'est bon, ça va être géré. Wesh. Là par contre j'ai failli la prendre de plein fouet. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a sur la sablière. Il y a un canon. Il y a un canon gravitationnel. Ça, c'est la sablière rouge. Donc, il y a un canon gravitationnel. Ok, il est pas droit, FF. Ok, donc là maintenant faut que je trouve la grotte du colocante. Donc c'est pas ça. Ça c'est un point de distorsion. Ça c'est le premier truc où je me... Et d'ailleurs le seul truc où je me suis posé sur la sablière. Hein. Mais quel gamin va jouer sur cette planète hein? C'est vraiment personne. Hein. Les parents irresponsables là. C'est bon frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, j'ai quand même envie d'aller voir, je suis curieux, tu sais quoi? J'ai quand même envie d'aller voir parce que j'ai découvert un truc, j'ai pas envie de me laisser sans réponse là-dessus. Gravité 0,5, donc là je peux remonter easy, faut juste que je trouve des endroits où je peux remonter et puis on est bon. Mais pif paf pouf, comment je descends? En fait le problème c'est que si j'y vais, il n'y a pas de retour quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à découvrir là-dedans? Bah mon vaisseau. Ça m'a un peu fait peur. Ok, alors du coup... La grotte du collecante... Oh! Hein? Bah... Wesh. Peut-être là alors? Peut-être ça la grotte du collecante. Mais il s'est foutu de ma gueule lui, qu'est-ce qu'il fout là? Je l'avais jamais vu lui. Qui est ce mec? Mais qui est ce mec en fait? Putain c'est Child! Bah ça alors! Salut à toi, j'imagine que ton premier décollage s'est bien passé, alors bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Corné m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors me voilà! Il n'y a pas meilleur endroit dans tout ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui. Ce qui est un peu étrange, d'habitude j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment savoir si j'observe? Nanana, nanana. Que devrais-je explorer ici? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas quitté cette cuvette. Je me débrouille vraiment bien avec le petit quêteur sans vouloir me vanter. Du coup, je prends tous mes clichés depuis mon camp de base. Est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de la sablière rouge? Celle qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous, c'est un vaisseau Nomai. On trouve des ruines Nomai un peu partout sur les sablières, mais bizarrement, pas un seul campement au village. Crois-moi, s'il y en avait eu un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Où est-ce qu'ils pouvaient bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr. Mais la sablière rouge est truffée de grottes. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu ça, moi. J'ai pas fait de découverte, adieu. Ah ouais, j'ai fait une découverte moi. Ok. C'est quoi ça? Bizarre. J'ai déjà vu ce truc je crois. Ok, vas-y, go. Alors, fais-moi voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors déjà une bonne nouvelle, il y a un parchemin à lire. D'ailleurs, il n'y a que ça. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant mener à Coleus, je vous supplie de m'avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique. Je suis sans nouvelles de lui depuis. Méloré, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements. Bure, Coleus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes de cette zone. Ouais, tu perdu le jeune Coleus de vue, Méloré. Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord. C'est arrivé en un instant sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Coleus, le temps d'examiner un échantillon, et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Ah, mais il est sur le caillou! Il n'avait qu'une quantité d'air limitée, Anona, je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coleus a disparu, que tout le monde se mette à sa recherche, et vite, il n'y a pas une minute à gaspiller. Alors par contre, comment... Non mais, hé. Hey. Ça, c'est terrifiant, ma gueule, hein. Ça, c'est terrifiant. Terrifiant, hein, ce que tu viens de faire. Oh. Terrifiant, frère. Fais plus jamais ça, c'est un malade. Bon ben voilà, on a trouvé un caillou, mais c'est pas le caillou. Unlucky, ce n'est pas le caillou. Bon, il faut trouver la grotte du lac asséché, je sais pas quoi, au pôle nord. Bon bah du coup, le pôle doit être à l'opposé de cette merde, je pense. Ouais, voilà, donc ça doit être... Si on me demande... Qu'est-ce que c'est que ça, par contre ? C'est un truc Nomai. Wesh. Wesh. Attends, quoi ? On va se poser par là. Ok, alors attends, est-ce que là... C'est le système? Ça c'est Atrebois, Léviat, Gravité. C'est pas la lune quantique, ça? Attends. Attends. C'est peut-être la lune quantique, hein? Parfois et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. Oui, c'est ça, c'est la lune quantique. Je suis d'accord, tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme. Sorte de savoir en permanence où elle se trouve. J'ai trouvé ta note, Méloré. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de Gravité. Je puis affirmer qu'il arrive également d'orbiter autour d'Atrebois. Mais où est-ce qu'elle est, cette lune? Wesh. Je me suis pété les jambes. Aïe, aïe. Ok, alors attends. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je l'ai perdu de vue? Attends, je me retourne. Je me retourne, Nick, on va la changer de sens. Putain, je me suis perdu par contre. Où est-ce qu'il est le truc? Elle est où? Elle est là? Ah, attends, c'est peut-être l'intrus en vrai. Où est-ce qu'elle est cette lune en fait? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai jamais vu ça? Hein? C'est ça la lune fantôme. Ok. C'était ça la lune fantôme. Ok, 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 ok. Elle ressemble à ça. J'ai compris, j'ai compris. Je m'attendais à avoir un caillou en fait. Je m'attendais à avoir un caillou de la même gueule. Merde, il est où le truc? Ok. Vite, 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 montre-moi où c'est. Je la vois, elle est là. C'est ça. Ok. Donc c'est ça. La lune quantique. Compris. En fait, c'est une lune qui, quand tu la vois, tu te dis ok, ok. Merde. Fallait surtout pas la perdre de vue et c'est ce que je viens de faire. Vas-y, c'est pas grave, j'ai le temps. Je me laisse une vingtaine de secondes. Voilà. C'est très joli. Il me faut un objet sur lequel tirer quelque chose qui me permettrait de la garder en vue. Atrebois. Atrebois, atrebois, atrebois. Ou alors Osef. Ou alors Osef, je le tire dans le vide. Des photos arrière. Donc là, on a atterri au pôle sud de la Lune. Ok, j'ai compris. En fait, je pouvais pas. J'essayais de tourner la caméra. Ah ouais, putain de merde, c'est vrai. Ok. Faut absolument que je garde une photo de ça, sinon je vais me mettre à bouger et faut pas que ça bouge ça. Ok. Parce que mon vaisseau ne réagit pas au quantique. Ok, elle orbite autour d'Atrebois actuellement. Non. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. We must move. La réponse, c'est l'intrus. Sablière, Atrebois, dans l'ordre, hein, dans l'ordre de distance. Gravité, Léviat, Sombrance, l'intrus. Attends, l'imagerie quantique, ça c'est la tour dans laquelle j'ai appris ça. Ça c'est la règle de l'intrication quantique, je n'ai pas encore découvert ce truc là, donc là c'est les endroits où j'apprends ces réponses. Et donc ça, c'est dans... Ça c'est gravité. On voit le truc ici, il faut que je trouve ça parce que je trouve la réponse du 6e emplacement là. Et la réponse de l'intrication quantique c'est probablement ici, parce que ça m'a l'air d'être la sablière rouge, une grotte de la sablière rouge ça. D'accord. Mais alors... Ok, alors attends, je vais y visiter un petit peu. Je ne sais pas si... Ouais, non. Si je passe ça, je repars instant. Et donc ça c'est juste... Enfin y'a rien à en tirer de ça. Ça c'est le même truc que j'ai vu l'autre fois. Ouais y'a rien à en tirer. Ok. D'accord, d'accord. Ok, donc là j'ai eu les réponses, j'ai toujours pas trouvé la grotte à sécher. Et la tour du savoir quantique non plus. L'observatoire sud j'ai toujours pas vu. Les abysses de Léviat. C'est vrai qu'on n'a pas vu sous l'eau de Léviat. Ça pourrait y avoir des trucs, hein. C'est vrai que sous l'eau on survit, hein. Oui, je me pète. Et là, il n'y a plus rien. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Putain, je viens de comprendre ce que c'est. C'est gravité, c'est l'endroit... En fait, ça, c'est tout ce qui a été tiré de gravité, mais ça veut dire qu'on peut cheat, là. Regardez, j'ai ma réponse ici, là. J'ai ma réponse instant. En fait, le truc auquel je cherche à accéder, il est là. C'est ici. C'est littéralement là. Sous mes yeux. Putain, je peux peut-être... je peux peut-être glitch l'entrée là. Et oui, parce qu'en fait, du coup, ça a été soufflé ici. Et ouais, et là maintenant... Ça veut pas m'aspirer là? Pourquoi tu veux pas m'aspirer, ma gueule? Aspire-moi, je t'en supplie, frère. Okay. J'ai de l'argent. Non. Non. Oh non, je suis en haut. Et donc ça... Oh. Fuck. C'est au premier étage, si j'avais été de l'autre côté. Non. J'avais la réponse si j'avais la... Non. Putain de merde. Il me manque pas grand chose en fait. J'ai 2-3 endroits à aller checker, mais je suis incapable d'y aller. Je suis bête comme mes pieds en fait. Je fais n'importe quoi. Donc ça c'est la règle de la 6ème position. Et il me manquera la règle de l'intrication quantique que IMO on trouve sur les sabliers rouges. Enfin, ça avait l'air de ressembler à ça en tout cas. Et après, faut trouver le module, le 3e module. Là, je sais pas si c'est le module de pistage, je crois, qui a été explosé du truc qui lance la sonde pour récolter les infos de la sonde. Donc de ce fait, je pense... Merde. Je pense que je vais commencer... Ah merde, c'est en bas. Ouais. Je pense que je commence par quoi? Je pense que je fais quoi là? Sablier rouge, on cherche là. Attends, on va peut-être aller là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça en fait? Chaque fois je le vois passer, j'y vais jamais. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, je comprends. Easy les gars. Easy, faut juste pas se faire aspirer. Et pour pas se faire aspirer... FF, je me fais aspirer là. Paf! Mort, aspiré. Ok, je peux pas l'atteindre parce que je me fais aspirer. Quand tu t'approches trop, le champ gravitationnel il devient tellement fort, tu te fais happer par le truc. Bon, je peux rien y faire de ça. Pas faute d'avoir essayé. J'arrivais même plus à lutter. Quand j'ai commencé à tourner la tête, je savais déjà que je pouvais pas lutter. Je me suis dit, il y a peut-être un monde où je sais pas, il se passe un truc et tout. Que dalle. Je me suis fait aspirer, c'est tout. Ok, bah du coup go les sablières, on trouve la grotte pour avoir la règle de l'intrication quantique je sais pas quoi. Et nickel. Tiens d'ailleurs il y a les ruines lunaires à aller voir. On va aller voir les ruines lunaires, c'est quoi, c'est à 2 minutes là. C'est à 30 secs. C'est à 30 secs de la maison. Et j'ai jamais été voir les ruines lunaires. Sur la rocaille. Là c'est le camp de base, ok, mais moi je cherche les ruines lunaires. Ça j'avais vu. Là c'est le drapeau d'Atrebois qui a été posé. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau crash quoi, un vaisseau de merde qu'il faisait avant. Ah c'est ça les ruines lunaires. Et ouais j'avais jamais été voir. Merde. Je fais n'importe quoi. Ok hop. Ouais c'est bon je suis posé. Hop là. Et on y va on va voir. J'avais jamais été checké. Et du coup qu'est-ce qu'on voit ici? Genre imagine, je mets genre Léviat, ça va viser Léviat là? Mais c'est super bien fait. Ok, et genre il est où du coup l'œil? Allez hein, c'est où l'œil de l'univers? Fais-moi le malin là, hein? Bon. D'accord. Superbe. Et là, je fais sortir la boule. Ah non, je peux pas. Ok. Bah écoute, c'était très marrant. Très cool, bravo. Bravo pour ça. Bon, on va être un peu méthodique. On va aller regarder. On va aller regarder. Du coup, j'ai fini mode rumeur. Donc là... Les ruines, île de la statue, j'ai pas trouvé comment y entrer. Laboratoire des hautes énergies, j'ai FF. Forge du trou noir. Et si on allait à la forge? Non mais j'ai envie d'aller dans la grotte du Colocol. Je vais y aller, hein. J'y vais. Hein. J'y vais. J'y vais, ça m'a saoulé. Elles sont où les sablières? Mes sablières sont où? Qui a mangé mes sablières? Rendez-moi mes sablières. Rendez-moi mes sablières. Ah mais elle orbite dans le bon sens, je suis con. Faut attention à pas être trop proche du soleil. Voilà. Alors le pôle nord, est-ce qu'il est vraiment... dans le sens où je l'imagine ou pas? Genre, est-ce qu'il est genre là? Ah oui, mais là du coup... Et oui, et ouais. Et ça, c'est ce qui m'a permis de découvrir la lune quantique. Peut-être ça la grotte, hein? Parce qu'on me dit qu'il y a des grottes partout, mais c'est faux. C'est faux, j'en ai trouvé une pour l'instant quoi. Il me faut toujours trouver la grotte asséchée. On sait pas où elle est. La grotte asséchée, ça te dit un truc ou pas? Ça c'est ce qu'on avait déjà vu. Ouais. Ça on a déjà vu. Et si ça se passait plus bas? Mais attends. Ouais. Ok. Et ça c'est quoi ça déjà? Parce que ça c'est une grotte ça. Nickel ça. On va aller checker. Peut-être ça la grotte asséchée. Ou alors je viens de là? Je sais plus. Comment je m'appelle? KennyStream? Non. Si? C'est mon pseudo en tout cas, ça c'est sûr. Bon on y va. Hop. Combien de gravité? Ouais je l'atteins tous les jours. Ah oui d'accord, on est sur ce genre d'ambiance. Allez on allume. Hop. Yoinks. Oui voilà, j'ai jamais été ici. Et donc ça... Ah! Attention quand même hein. Faudrait pas se blesser. Et donc c'est là le truc de... Coleus a disparu, cela fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée, celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché. Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'à ici, mon ami sédimentaire? Ta couleur et ta texture unique semblent identiques à une roche que j'ai déjà rencontrée. N'était-ce pas là le même fragment de roche que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché? Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Peut-être y recroiserons-nous notre amie rocheuse. Mise à jour. Méloré et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et avons trouvé la roche en question, et tantôt présente, tantôt absente. Cela veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique. Comme c'est curieux. Mais je suis déjà venu ici ou pas? Pourquoi j'ai l'impression qu'on me répète les mêmes choses? C'est pour les gens bêtes qui comprennent pas? Moi j'ai déjà compris hein. Ah oui, ok. Signal non identifié à proximité. N'importe quoi. Hein? Attends. Quoi? Mais comment c'est possible ça? C'est ça le signal? D'accord, en fait c'est la même grotte. Non, c'est pas pour les gens bêtes, c'est juste la même grotte. Ok, aïe aïe aïe. C'est moi qui suis bête alors. Ok, donc c'est exactement la même grotte. Mais alors, le pôle nord il est où en fait? Je regarde dans quel sens elle tourne. Je regarde dans quel sens elle tourne. Et oui, il faut regarder pour trouver les pôles, il faut regarder dans quel sens elle tourne et tu regardes, c'est tout. Alors. Bah, du coup, pôle nord, grotte du lac, ça c'est grotte asséchée, bam, ça c'est sec, énorme et sec. Et du coup, bah ça doit être celle-là. Aïe. Parce que je me souviens avoir été dans la grotte avec deux étages là, deux piliers, mais pas trois. Trois ça me dit rien, j'ai jamais été. Vérifie, je peux descendre? Je peux descendre. Allez, on va là alors, c'est ça. Espérons en tout cas, sinon je fais que de me perdre là depuis tout à l'heure, hein, c'est n'importe quoi. Ah! FF. Mais c'est la même encore. C'est encore la même. J'ai un peu la flemme d'y aller à pied, donc on va y aller en vaisseau. Mais du coup, si c'est pas celle-ci, eh ben c'est l'autre. Hein. Si c'est la même grotte, je deviens fou. Voilà, je le dis. C'est officiel. C'est officiel, je deviens fou. Je sais plus dans laquelle j'ai été, dans laquelle j'ai pas été, parce que moi, je veux trouver la grotte du colocante. Ça me dit rien, ça. Mais si, ça me dit quelque chose. Et bien sûr que oui. C'est les mêmes textes. Mais... je comprends rien. Mais elle a pop sous mes pieds carrément. Elle a pop sous mes pieds, elle m'a poussé. Alors il y a un truc que j'ai pas pigé, parce que ça m'a l'air très asséché quand même comme endroit. J'appellerais bien ça, cet endroit, l'asséchage. L'asséchage, carrément. Peut-être plus bas, hein. Peut-être plus bas la grotte. Mais alors, comment on sait où est le nord en fait? Je comprends rien. Là je suis bête hein. Oh qu'il est bête. Il est bête le streamer hein. Très très bête. Très 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 bête. Quel pilote hein, mais qu'est-ce qu'il est bête. Ouh là là, c'est bête hein. C'est bête d'être bête comme ça. Mais attends, mais ça aussi c'est une capsule de sauvetage. Ça c'est la capsule 2 du coup. Attendez, je vais regarder ce qu'ils disent. C'est vrai que je l'ai pas exploré celle-ci. J'ai fait celle sur gravité mais j'ai pas fait celle-ci. Il me semble pas en tout cas. Aïe! Ouais, je l'ai pris dans la tête celle-là. Rapport d'état de tous les systèmes, même chose, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne? Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Anona est là? Oh, quel soulagement! Je te présente mes remerciements. Bure, es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai toutes les deux localisées dans ce système stellaire. Mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous. Là, je suis en train de revenir un petit peu à la base. Capsule de sauvetage 2, c'est ça. Bam. Lancement de la capsule 3, lancement de la capsule 2. Collision imminente. Analyse de l'environnement. Excessivement élevée température. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ça marche. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable que sous la surface. Est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traverser le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nous relevés semble indiquer comme étant un réseau de cavernes. Waouh, vraiment, c'était là qu'il fallait que j'aille depuis le début. Avec un air beaucoup plus frais, je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie. Malgré ce risque, nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pourrons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches, celui-ci a l'air de monter progressivement. Ok, du coup, bah là j'ai déjà baisé mon exploration de la grotte. Trappe d'évacuation d'urgence. Ah oui, mais je suis con. Ok. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Méloré constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction pour monter? C'est le début du chemin conduisant aussi du refuge, où c'est indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir, veillez à ce que personne ne s'égare. Ok. Ok, donc en fait j'ai déjà perdu entre guillemets mon exploration ici. Bon, je vais peut-être reset alors. Continuez votre avancée mes amis, vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est que des rochers. S'ils sont intéressants, ils peuvent attendre à un moment plus opportun. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout, Coleus et moi examinerons les horreurs que réserve ce terminus plus tard si nous survivons. Oh, c'est ça! On peut y descendre. Ouais, il y a un truc qui t'y ramène, mais qui t'y amène pas. Il n'y a rien qui t'y amène, il y a un truc qui t'y ramène. Ah. Bah FF. C'était dégoûtant ça. Horrible. Ok, je reviens dans le chat les amis. Je reviens dans le chat l'équipe. Attention, attention no spoil. Attention no spoil l'équipe. No spoilers. Ça speedrun? Bah non. Non 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 non, spoilez pas, spoilez pas. Ok, ok. Ça fait quoi de se faire sans dead? Horrible le son. Ah, il était horrible. Horrible. Bon ok, j'ai découvert plein de trucs. J'ai galéré à trouver cet endroit hein. Mais c'est parce qu'en fait, je cherchais une grotte et j'ai pas fait quelque chose de bête. C'est que quand j'ai découvert la première capsule, le premier truc que j'aurais dû faire dans la théorie, c'est de chercher la deuxième capsule. Parce que la troisième, je sais que je pourrais pas la trouver. Mais c'est pas grave. Au moins la deuxième, j'aurais dû la pécho. Je vais aller aux toilettes en rapide. C'est mon réveil pour le matin, perso, en basse boosted, ça rend bien ce bruit. Ouais, il était horrible. Horrible, horrible, horrible. Tu es bête et ça fait du bien. Ouais, j'étais là en mode je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. La cam cache un peu l'ATH quand t'es en combinaison. Je pense que coin bas gauche ou coin bas droite ne cache rien d'important, mais pas hyper grave en vrai. Ouais, après les infos, j'avoue que c'est jamais une info que j'ai regardée. Je sais pas si c'est si important que ça. Tu as fait quoi en début de stream Gravité? J'ai essayé Gravité, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc c'est probablement pas sur Gravité ce que je cherche. Mais faudrait que je retourne sur les modules du lanceur de sonde. Bref, je reviens 2 minutes les gars. Je vous laisse avec la playlist Outer Wilds rapidement.